Bonjour, bonjour. Comment ça va? Salut à tous. Vous êtes bien sur la vidéo du mode zombie. On continue comparé, enfin, avec en parallèle avec la vidéo sur le mode multi de Black Ops 2. Local. On va partir sur la map ville, qui est cette map là, je crois, en survie. Difficulté, méthode originale, moi je disais par que dalle, magie avec. Ok, on y va. On est bon, on y va. On va essayer d'aller le plus loin possible. Même si, à mon avis, on va pas faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de manches, mais bon. On va essayer de faire ce qu'on peut. Là, je vous avoue que je fais un peu de vidéo au compte-goutte du fait que j'ai plus de débriefing à faire. Enfin, maintenant, ça va être que pour 2015, voilà, je m'octroie un petit mois de répit. Pour vous faire quelques vidéos, là, comme si, par-ci, par-là, un petit peu sur chaque jeu. Allez, on va commencer, dépêche, dépêche. M1911. 500 balles. On va commencer par faire des caisses, hein. On va commencer par faire la boîte. Mais avant, il me fout du zombie. Ici. C'est tout? C'est tout? Ils sont où? Bah alors là, c'est long là. Hop là, salut. Aïe aïe. Boîte. Ouais, déjà. Voilà, parfait. Ok, maintenant on va faire des points avec le flingue. Histoire de choper au plus vite Mastodonte. Mais où est le zombie? Où est le zombie? Bon, on attend. Je l'entends, mais je le vois pas. Ah, là-bas. Ok. Bon, pour l'instant, c'est inintéressant, on est d'accord. Limite, pourrait skipper, à mon avis, dans quelques minutes, je dirais. Là, on a 3 minutes de vidéo, aller au moins jusqu'à un quart d'heure pour avoir un peu plus d'action. Si jamais la vidéo dure ce temps-ci. Qu'est-ce qu'il y a ici? Une grenade. C'est un peu dangereux pour des grenades ici. Ah, viens ici. Hop là. Aïe aïe. Allez hop, on va ouvrir la porte. Mastodonte. Ok, bon, bah, bon, il y a plus de munitions dans mon flingue. On va rester en haut là, à côté de Masto. Alors, il y a une porte ici, une fenêtre ici. C'est quoi ça? Ok, MP5, j'en veux pas. Je commence à courir déjà. C'est vrai? Ah ouais. On va mettre une petite balle. Oh putain! Oh!
commencer à les buter à l'arme lourde. Parce que là, ils m'ont fait plus que flipper là. Enfin, je dis ça, puis je continue au flingue, donc je suis pas bien. Bâtir ici. Ouah, non mais là ça commence à devenir chaud là, putain. Hop. Mais non, on va passer dans le bâtiment d'en face. Il y a le bâtiment d'à côté, je sais pas si je suis là-bas. Ouais, en face, au bar. C'est là où il y a Quick Revive. Mais j'ai pas assez d'argent pour ouvrir, donc on va rester là. 500 euros, je crois, une porte. Bon, on va essayer d'ouvrir. Ah non, mais ça m'a fait flipper, putain. Hop. On se la joue prudent ou pas? Ouais, on va se la jouer prudent histoire de passer la manche 10 et puis après, on va la jouer un peu plus voilà, comme diraient les rappeurs de basse catégorie. Ok. Hop. Oh merde. D'avoir une bombe alors qu'on a mort instant, mais bon. Ah, j'ai 1500. Oui, ouais, la porte. Et faire une caisse aussi. Ouh le le. En fait, ils sont juste derrière, j'ai pas fait gaffe. Mais après il faudrait prendre passe-passe. Ok, c'est un peu plus tendax d'un coup là. Pourtant on est que manche 5. Hop là. Ok, on va chercher une autre arme. Parce que là il n'y a pas de chien. On prend une autre arme vite. Yes. Hop là. On ira chercher passe-passe plus tard. De toute façon, on va essayer de prendre les 4 atouts de la map. Hop. Oh. Oh là. Oh merde. Oh là. Oh là 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 là. Ils m'ont fait flipper. C'est bien, j'avais cru Revive, mais quand même. On a quand même fait flipper là. Oh là 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 là. Oh merde. Oh merde. Hop là. Je sais pas ce qui se passe.
émission. Merde, pas se passer là. J'espère que j'aurai assez de munitions parce que là... Merde, moi j'ai des munitions. Bonsoir. Oh putain. Oh là là. Ok, tout va bien. On va pas hésiter à aller au contact, hein, pour l'instant il y a personne. Ok, pour l'instant ça gère. Ah yes, on va aller chercher une boîte tout de suite, le temps qu'ils sont en bombe. On prend de l'avance. Allez, vite. Combien double coup? 2000. Non, ouais, tu me diras. Yes! Ok, pour l'instant ça va. On lance une grenade. Bonsoir. Tout va bien. En fait, non, y'a rien qui va. Pour l'instant ça va. Wouah, j'ai oublié que c'était ça! Wouah, j'ai oublié que cette arme ça donnait ça. Merde. En fait, je pense qu'il y a moyen de les faire tourner en 8 sur cette map. Je pense qu'il y a vraiment moyen. Genre, on arrive là. On marque un temps d'arrêt. Hop, on descend. Ensuite on part là-bas. Ouais, il y a moyen de les faire tourner en fait. Enfin, on va pas trop rester au milieu. Là il y a le rampant. Ensuite on va remonter très vite. On va surtout les faire très vite une boîte. Parce qu'en fait j'aime pas du tout la SMR. Ok. Ça c'est fait. Hop là. On va laisser le rampiste. On va prendre double coup. C'est quoi ça? On va retenter, voir ce qu'on a. Bon, on va lancer la manche tout en haut au niveau de mastodonte et on va continuer à le faire tourner vu qu'apparemment ça marche bien. Oh putain, on s'arrête. C'est quoi cette arme? C'est un fusil d'assaut ou quoi? Parce que là, ça tire bien. Ça a l'air d'être un pont parce qu'il y a très peu de balles quand même. Là, hop, cut. Oh putain, on va descendre. Ok, on recharge. C'est combien là, le point à la con là? Ok, 6000 balles. On va attendre, il n'y a pas une arme ici dans le coin? Non, il y a une boîte. Je sais pas ce que c'est, on va voir. Ok, d'accord.
c'est quoi ça? Oh putain! Je pense que je vais mettre une musique de fond là parce que je parle pas beaucoup. Je suis assez concentré dans ce que je fais. En même temps, la map n'est pas non plus super super intéressante. Parce que voilà, bah, c'est un carrefour de ville. Oh, des munitions, des munitions, des munitions! Je les veux, je les veux! Oh putain, j'arriverai pas à les avoir! Oh putain! Oh! Oh la peur! Alors, on a de la brochette, certes, mais ça fait. Wouah! Non, j'arriverai pas à les avoir. Ça clignote déjà. Tant pis. On va pouvoir descendre. Ok, ok, bon, je finis. Voir pour échanger le fal. Parce que arme au coup par coup, là, ça va être un peu chaud. Hop. Yes. Hop. Ok, ça c'est fait. On va enchaîner. Peut-être l'améliorer la MTA. Yes. Oh putain! Ce que j'aime pas avec la MTA, c'est son rechargement. Oh putain! Parce que en fait, l'arme, comme elle pivote, quand on est face à la porte comme ça, et que je mets ma caméra comme ça pour voir l'entrée, bah, quand on recharge, on voit plus rien. Donc ça peut jouer des tours quelquefois. Ok, on va améliorer la MTA. Alors, putain, je vais crever là à cause de leur connerie. On va prendre la Galil et elle aussi on va l'améliorer. Mais plus tard. Oh putain. Ok. Ok. Quoi? Ils sont pas morts? Oh là 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 là. Ok. Il y en a encore? Ouais. Ok. On va commencer la manche de l'autre côté cette fois. De toute façon, on va faire ça tout le temps jusqu'à ce qu'on crève. Et croyez-moi, je suis pas prêt de crever là parce que. Parce qu'on est qu'à notre premier coup de revive. Enfin, après, voilà les réactions en chaîne et tout. Oh là là là! Oh là là! Oh putain! On se bat!
qu'est-ce que je vous avais dit? Ok, on va faire super attention, aucun risque. Oh putain! Ils sont malades! Ok. On va aller prendre Mastodonte. Si, 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 si. Oh putain! Aïe! Allez, go! On a plus le passe-passe. Ok. Ok. On va reprendre Quick Revive. Ok. Allez, on descend. Ça va, c'est. On n'a pas été victime de la réaction chaîne, mais là, vraiment, le moment où je le dis, je meurs. Okay, là il y a une porte, j'avais pas fait gaffe. Et à la fin de la manche, là, on va faire un rampant. Et à la fin de la manche, j'irai améliorer l'arme. Oh putain! Oh putain! Oh, elle bouge plus. Hein. Dérampant, je sais pas, mais on va améliorer quand même. Attends, là il y a un rampant. Là, charpentier. Oh, mais il va vite. C'est le seul. Lamentation. C'est bien, c'est que là ils ont gardé la même amélioration et le même nom que dans BO1. Bon, crève. Il nous faut quoi? Passe-passe, mais on a pas assez de thunes. Bon, on va rester avec ça, même si c'est super dangereux. Putain, mange 14, mais ça me paraît super dur comparé aux anciens Call of. Oui, qui gueule. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Là. Oh putain. Ah ouais. Oh lolololol. Ouais, on va pas faire de vieux os ici, hein, c'est moi qui vous le dis. Il nous faut passe-passe. Hein. Allez, go. Oh, salut. Oh lolol. Oh là 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 là. Je suis dans la merde. On va les attendre, même si ça me paraît une très mauvaise idée. Des munitions. Merde. Oh putain, oh je vais crever. Encore un coup, je suis mort. Ouais, je suis mort. On va les buter très vite. Plus de munitions. Allez. Il est encore là le truc ou pas? Oh là 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 là. Oui! Non! Merde! Allez, bois. Non! Et bois ta canette, merde! Une gorgée! Merde, putain! Ah, j'ai pas vu la marathon de ce côté-là! Oh putain! Ok, bah j'ai rien dit en fait, c'est pas les seuls atouts là, les 4. Merde! Oh putain, je suis con là! Ah, oh, mais merde, putain! Oh, j'ai battu mon record de la précédente vidéo, mais là je suis un peu dégoûté. Bon bah 14 manches, hein. C'est sur ce magnifique score digne des plus grands records de zombies Black Ops 2.
qu'on va se quitter, qu'on va pas se retrouver sur Black Ops 2 pour la prochaine, je pense pas. Je vais réfléchir, on se dit à une prochaine vidéo, à la prochaine tout court. Bonne journée, bonne soirée, et bonne journée, bonne soirée.